La Maison du Tourisme de la Haute-Loire sous son label Respirando avait organisé avec l'équipe de France de rugby espoir des moins de 19 ans un raid de 2 jours dans notre département. Hébergés au collège et lycée Sévenol du Chambon-sur-Lignon, les jeunes rugbymen se sont mis face à leurs défis pour parcourir vallée profonde et haut plateau dominé par les crêtes du Meusin. L'accueil du Pôle France, c'est déjà une belle petit zoom sur le département parce que c'est repris par les médias nationaux, hein, je pense à l'équipe, au Midi Olympique, et ça permet déjà de mettre en valeur notre territoire et d'apporter une image touristique bien pour la Haute-Loire. Le principe du raid, c'est tout simplement de proposer aux joueurs qui sont là aujourd'hui un enchaînement d'activités qui va allier du VTT, de la course d'orientation, une tyrolienne et puis également une activité qui s'appelle le run and bike qui allie la course à pied et le VTT où les joueurs se partagent un vélo pour 2 coureurs. Trouver un petit peu, de les mettre dans une situation qu'ils ne connaissent pas, réelle, parce que souvent quand ils jouent, c'est virtuel. Là, c'est un terrain de jeu qui est complètement réel, avec un cheminement par groupe, où ils vont avoir plein d'activités à faire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils vont découvrir. Et à eux de s'adapter, et à eux de s'aider, de s'encourager. Les 27 jeunes du 15 de France Espoir ont puisé dans leur énergie individuelle, jouant notamment de leur mental pour vaincre l'effort. À Faye-sur-Lignon, on a organisé un pot de ravitaillement pour leur permettre de récupérer de l'eau, vérifier si le matériel mécanique tient, et puis il leur reste une bonne petite grimpette pour contourner le Mont-Signon, arriver sur Chederolle, et terminer sur la Roche Pointue, où là ils changeront d'activité, mais c'est la surprise suivante. Si vous êtes au bon endroit, voilà, donc B2, alors pas celle qui est rayée, hein, la B2, celle-là, ouais. Donc là il y a un chemin qui monte, hein, le long de la route, j'y arrive, il n'y a pas de souci. Thank you.
Après un bivouac à la Belle Étoile sur les pentes du Mezin et une nuit de sommeil bien méritée, les différentes équipes se mettaient en place pour démarrer cette matinée en rafting sur le lac de Saint-Front, enchaînant une épreuve de run bike entre Failly-sur-Lignon et le Mazet-Saint-Bois. 3, 2, 1, c'est parti! Parce que en fait, ce groupe, là, cette équipe de France, ça s'appelle le Pôle France. En fait, c'est des joueurs qui sont réunis toute l'année sur Marcoussis, sur le Centre National d'Entraînement, et qui vont demain être de nouveaux professionnels ou de nouveaux joueurs de l'équipe de France. En gros, il y a déjà, sur les dernières promotions qui sont passées, il y a déjà 20 joueurs qui ont touché à l'équipe de France. Et il y a à peu près 70% de ces joueurs qui seront professionnels dès l'année prochaine. Les joueurs et le staff remercient la Maison du Tourisme de Haute-Loire pour l'organisation de ce raid qui a été très varié, qui a été dur, qui a été très convivial, mis en place par des gens compétents, sérieux et qui nous a permis de passer deux jours à découvrir votre belle région et puis aussi de voir des activités que peut-être ils ne feront jamais, surtout des activités naturelles. Knocking on heaven's door.